L'idée des avions propulsés par fusée a vu le jour dans la course automobile et la première application a eu lieu le 11 juin 1928. Lors du premier vol d'un avion propulsé par fusée, le Lippischente en Allemagne. Et après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, l'intérêt pour les avions propulsés par fusée s'est concentré sur une meilleure compréhension de l'aérodynamique dans le régime transsonique. L'avion fusée X-1 piloté entre 1946 et 1958 et le premier à franchir le mur du son en 1947 a conduit à un nouveau record de vitesse et d'altitude. Volé entre 1959 et 1968, l'avion de recherche propulsé par fusée hypersonique, le X-15, a encore élargi les connaissances et l'expérience aux confins de l'espace avec des records de vitesse pour les avions pilotés qui sont toujours indétrônables. Et aujourd'hui, les avions propulsés par fusion ont trouvé une place dans le secteur spatial commercial suborbital. C'est l'été et comme vous le savez, l'actualité spatiale est en vacances, mais je ne vais pas vous abandonner pour autant. Non, profitez de vos vacances, si vous en avez. Puis de mon côté, je vais quand même vous présenter des sujets divers et passionnants parce qu'il y en a tellement. Et je commence ce dimanche avec les avions supersoniques. Le premier vol d'avion piloté propulsé par fusée a eu lieu le 11 juin 1928, résultat d'une collaboration improbable entre un magnat de l'automobile, deux pionniers des fusées et un concepteur d'avions. Fritz von Opel, petit-fils du constructeur automobile allemand du même nom, croyait pouvoir améliorer la réputation de l'entreprise en montant des fusées sur ses voitures de course. Il a établi un record de vitesse terrestre de 238 km/h en mai 1928 au volant d'une voiture équipée d'une fusée. Opel croyait également que l'avenir de l'aviation résidait dans la propulsion des fusées. Il a fait équipe avec les pionniers allemands des fusées Friedrich Anders et Marc Vallier pour réaliser ses rêves. Puis Opel a acheté un planeur fabriqué par Alexander Lippisch, puis avec l'aide de Sanders puis Vallier, a monté deux fusées à poudre noire à l'arrière de l'avion. Et parce que le planeur comprenait une conception de canard vers l'avant, Lippisch l'a nommé Ente ou canard en allemand. Le premier test du 11 juin a échoué lorsque les roquettes ne se sont malheureusement pas allumées. Lors de la deuxième tentative, une fusée s'est allumée comme prévu. L'Ente a décollé et le pilote d'essai, Fritz Stammer, l'a piloté sur 1,5 km avant de faire un atterrissage parfait, complétant le tout premier vol d'un avion fusée. Wow! Un troisième test tirant les deux roquettes ne s'est pas déroulé comme prévu parce qu'il y a une roquette qui a parfaitement tiré, mais la seconde a malheureusement explosé encore. Il manquait un peu de fiabilité, mais c'était le début. L'avion endommagé a décollé grâce à la puissance de la fusée unique, mais avec ses gouvernes ne fonctionnant pas, puis une grande partie en feu, Stammer a réussi à survivre tandis que l'Ent a brûlé en cendres. Inébranlable, Opel a acheté un autre planeur avec une configuration plus traditionnelle puis a installé 16 moteurs de fusée à l'arrière. Il a nommé le premier avion fusée construit à cet effet au monde, l'Opel Rack 1. Et lors de son premier vol le 30 septembre 1929, devant une foule assemblée comprenant des médias d'information, Opel l'a piloté pendant 75 secondes, couvrant une distance de près de 2 km. Et après l'arrêt des fusées, il est venu pour un atterrissage brutal causant des dommages modérés à l'avion. Et Opel a détourné son attention des avions propulsés par fusée, puis seuls quelques autres ont fait des tentatives similaires dans les années 1930. Aux États-Unis, l'intérêt porté pour les avions à moteur à fusée a commencé dans les années 1940. En réponse aux défis aérodynamiques que les avions ont commencé à rencontrer à mesure qu'ils s'approchaient de la vitesse du son ou Mach 1, le National Advisory Committee for Aeronautics ou la NACA, ça c'était l'agence précurseur de la NASA, et l'US Air Force ou Army Air Force ont proposé conjointement d'étendre la recherche aéronautique dans le régime transsonique. Puis on parle de Mach 0,75 environ à Mach 1,2. Le 16 mars 1940,
1945, l'Air Technical Services Command a signé un contrat avec Bell Aircraft pour la construction de 3 avions expérimentaux pour explorer les problèmes de recherche transsonique, finalement désigné X-1. Et dans le cadre d'un contrat distinct, Reaction Motor Inc. a conçu et construit le moteur fusée XLR-11, brûlant un mélange d'alcool et d'eau avec de l'oxygène liquide comme oxydant pour alimenter le X-1. Et après qu'un bombardier B-29 Super Fortress ait porté le X-1 en altitude, eh bien l'avion-fusée est tombé, a allumé son moteur puis a effectué sa mission. Bell a livré le premier des 3 avions désignés X-1-1 en décembre 1945, le premier vol plané ayant eu lieu à Pine Castle Field en Floride le 19 janvier 1946. Et plus tard cette année-là, le programme X-1 a déménagé à Muroc Field, aujourd'hui Edwards Air Force Base, ça c'est dans le désert de Moab en Californie. Et après la livraison du deuxième avion X-1-2 en juin 1947, ben l'Air Force et la NACA ont convenu d'un programme de vol en 2 phases. L'Air Force a utilisé X-1-1 pour atteindre Mach 1 le plus rapidement possible, tandis que la NACA a utilisé le X-1-2 pour faire des études détaillées dans le régime transsonique. Et après plusieurs vols qui l'ont rapproché de plus en plus de Mach 1, eh bien le 14 octobre 1947, le pilote de US Air Force, Charles E. Chuck Yeager, qu'on connaît très très bien, a emmené l'avion à Mach 1,06, devenant ainsi le premier humain à franchir le mur du son. Et le 4 mars 1948, le pilote de la NACA, Herbert H. Hoover, est devenu le premier civil à franchir le mur du son dans l'avion X-1-2. Les vols ultérieurs du programme X-1 utilisant des avions et des systèmes de livraison de carburant améliorés ont permis à Yeager d'atteindre une vitesse maximale de 2,44 Mach. Wow! Le dernier vol du programme X-1 a eu lieu en novembre 1958, puis au total, 27 pilotes ont piloté différentes versions du X-1 effectuant 238 vols. 27 pilotes, 238 vols pour le X-1. Wow! Puis il est au musée à Washington, une réplique, c'est vraiment génial à voir. Entre le 8 juin 1959 et le 24 octobre 1968, 12 pilotes d'essai ont effectué 199 vols du X-15. Ça, c'est un avion de recherche propulsé par fusée hypersonique exploité conjointement par la NASA et US Air Force. Les 3 avions X-15 construits par North American Aviation cherchaient à approfondir les connaissances sur l'aérodynamique en régime hypersonique puis à des altitudes extrêmes. Semblable au X-1, un bombardier B-52 Strato Fortress a lâché le X-15 en altitude puis le pilote a allumé son moteur fusée qui était fabriqué par Reaction Motors puis brûlant de l'ammoniac anhydre et de l'oxygène liquide. Et si vous avez jamais vu le B-52 Fortress, mais sincèrement, ça vaut vraiment la peine de le trouver puis d'aller le voir parce qu'à Québec, il y avait un festival aérien jadis puis je l'ai vu voler. C'était l'avion le plus fantastique à voir. Sincèrement, les ailes qu'il y a après ça, puis le nombre de moteurs, c'était vraiment merveilleux. Les vols du programme X-15 ont établi de nombreux records d'altitude puis de vitesse atteignant les confins de l'espace. Oui, le pilote de l'US Air Force, William Joseph Knight, a atteint une vitesse de 7273 km/h ou Mach 6,7 le 3 octobre 1967. Ça, c'est un record qui se tient à ce jour pour les avions motorisés pilotés. Il fut également l'un des 8 pilotes à franchir le 80 km d'altitude avec un avion fusée. Lui, il a atteint 85 km. Et bien que la NASA ait choisi d'utiliser des fusées verticales puis des capsules pour mener à bien ses programmes de vols spatiaux habités, eh bien le programme X-15 a contribué au succès des missions d'atterrissage Apollo Moon en fournissant des données critiques sur la façon dont les matériaux réagissent aux conditions extrêmes, sur le chauffage aérodynamique, sur les caractéristiques de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Et sur les 12 pilotes, ben 8 ont effectué 13 vols combinés qui répondaient aux critères de l'US Air Force pour les vols spatiaux habités en dépassant l'altitude de 80 km et qualifiant d'astronautes militaires. Parce que leur limite à eux, c'est 80 km, mais sinon, la limite officielle internationale, c'est la ligne de Kármán et c'est 100 km. Les 5 pilotes de l'Air Force ont immédiatement obtenu des ailes d'astronautes, tandis que les 3 pilotes civils ont attendu jusqu'en 2005 pour obtenir des ailes d'astronautes de la NASA. Mais sur ces 13 vols, ben, y en a 2 qui ont été effectués par le même pilote de la NASA, Joseph et Joe Walker, je l'adore, qui ont satisfait, ouais, aux critères de vol habité établis par la Fédération Aéronautique Internationale. Walker a atteint une altitude de 108 km le 22 août 1963, la plus élevée pour tous les vols X-15. 2 des pilotes du X-15, Neil Armstrong et Joe Engel, sont devenus plus tard des astronautes de la NASA. Armstrong, sélectionné par la NASA en 1962, a volé sur Gemini 8, puis a fait les premiers pas de l'humanité sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Tandis qu'Engel, sélectionné en 1966, a commandé les missions de la navette spatiale STS-2 et STS-51-1.
Les avions propulsés par fusée jouent un rôle important dans les vols spatiaux commerciaux suborbitaux. Développé par Moav Aerospace Venture, une collaboration entre Scale Composite du concepteur d'avions Burt Rutan et le cofondateur de Microsoft Paul Allen, SpaceShip One a remporté le prix Ansari X de 10 millions de dollars en effectuant deux missions suborbitales à une altitude de 100 km en utilisant le même véhicule en deux semaines. Une compagnie privée deux fois qui traverse la ligne de Kármán de 100 km à l'intérieur de deux semaines. Et porté en altitude par l'avion porteur White Knife de Scale Composite, SpaceShip One est tombé et a allumé son moteur fusée hybride pour atteindre sa vitesse et son altitude désignée. Le premier vol motorisé a eu lieu le 17 décembre 2003. Ça, c'était le 100e anniversaire du premier vol motorisé des frères Wright à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, avec le pilote W. Brian Binney aux commandes. Le premier des deux vols de qualification pour le Pre-Antares a eu lieu le 29 septembre 2004 avec Michael W. Mike Melville aux commandes, suivi du deuxième vol le 4 octobre avec Binney aux commandes. Et comme les deux vols ont dépassé le seuil des 100 km, on parle de 100,1 km et 111,9 km. Et en passant 111,9 km là, pour ceux qui sont dans l'aviation parce qu'on est en pied, bien, ça correspond à 367 442 pieds. Un avion de ligne, ça peut voler à peu près à 37-38 000 pieds. Et bien évidemment, Melville et Binney ont reçu des ailes d'astronautes commerciaux américains. Et du côté de Rutan, il a décidé de retirer SpaceShip One après son vol puis de commencer à se concentrer sur le prochain projet, SpaceShip Two. SpaceShip Two est environ deux fois plus grand que son prédécesseur et peut transporter jusqu'à 8 personnes, 2 pilotes et 6 passagers payants, ainsi que des charges utiles pour la NASA et d'autres clients payants. Et comme son prédécesseur, eh bien, il y a un avion à double fuselage, le White Knife Two, qui transporte SpaceShip Two en altitude où, après sa libération, il allume son moteur fusée hybride pour commencer son vol suborbital dans l'espace. Dévoilé en décembre 2009, le premier véhicule SpaceShip Two nommé Enterprise a effectué son premier vol motorisé le 29 avril 2013. Cet avion s'est malheureusement écrasé le 31 octobre 2014, tuant l'un de ses deux pilotes et blessant l'autre. Oui, oui, il y en a un qui a vraiment survécu au crash, imaginez. Le deuxième véhicule, Unity, a effectué son premier vol motorisé le 5 avril 2018, puis son premier vol à plus de 80 km le 13 décembre 2018. Le premier vol pour transporter 6 personnes, dont le fondateur de Virgin Galactic, Sir Richard Branson, a eu lieu le 11 juillet 2021. Et parce que ce vol a dévié de son plan de vol prévu, la FAA, qui était chargée de superviser les vols spatiaux commerciaux, a suspendu d'autres vols SpaceShip Two en attendant une enquête. Et les vols ont repris le 25 mai dernier, transportant à nouveau 6 personnes, et d'autres vols sont attendus. Et d'ailleurs, il y a eu un vol cette semaine avec une équipe italienne là, de l'armée. Et ça complète ma première vidéo BDF en vacances. J'espère que vous avez apprécié. Et comme disait Richard Branson, peu importe qu'une idée soit grande, petite, simple ou complexe, mettez-la par écrit. Mais ne vous contentez pas de prendre des notes pour le plaisir de prendre des notes. Passez en revue vos idées et transformez-les en objectifs concrets et mesurables. Si vous n'écrivez pas vos idées, elles pourraient vous quitter la tête avant même que vous ne quittiez la pièce. D'ici là, aimez la vie puis soyez Blue Dot parce que même en vacances, le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos, bon été!